Yo les gars, c'est Jeffrey, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur FIFA 21 PS5, comme d'habitude, pour la suite de notre aventure, ma carrière sur FIFA 21, donc toujours avec Sunderland. Dans cet épisode, du coup, on va jouer dans un premier temps face à Ipswich, comme on l'a vu. On va voir ça, hop, à l'extérieur, ouais, contre Ipswich. Ipswich, ou désolé, comment je le prononce, désolé. Ensuite, on recevra MK Dons à domicile. Et ensuite, on passera de l'autre côté du calendrier en mars pour affronter à l'extérieur Playmouth. Du coup, on va voir ce que ça va donner un petit peu, les gars. Niveau championnat, du coup, toujours troisième. Hein, on essaye de grappiller cette seconde place à Lincoln. Mais je ne sais pas du tout c'est quand qu'on jouera ce match de retard. Du coup, faut pas lâcher. Et il faut attendre qu'il fasse une erreur aussi. Et pourquoi pas, même si on est des fous, aller chercher cette première place. On affronte bientôt les premiers, je vous le rappelle, sûrement dans la prochaine vidéo. Malheureusement, ce ne sera pas dans celle-là. Mais tous les matchs sont importants, il faut même gagner ceux-là. Niveau info, on va aller voir ça, mais il n'y a pas grand-chose. Hein. Ouais, mis à part le duel Sunderland Ipswich, ok. Europa League, on n'y est pas, du coup, ouais, il n'y a pas grand-chose. Jeffreys délivre caviar sur caviar pour le plus grand des bonheurs, pour le plus grand bonheur de son entraîneur. Comme c'est du joueur du mois, ok, ça pète nous. J'avais pas vu ça. Pas de prêt pour Jeffreys. Ok. Ben ouais, on va rester à Sunderland. Ben du coup, Ipswich qui sont 10e au classement de Ligue 1. C'est une équipe milieu de tableau, du coup, est-ce qu'ils ont quelque chose à jouer encore? Je sais pas du tout. Mais nous, on va y aller à fond dans ce match pour obtenir les 3 points et la victoire. On va voir ce que ça va donner, les gars. On va y aller sans plus attendre. J'espère vraiment faire un sans faute dans cette vidéo pour maximiser le nombre de points. Voilà, on arrive en mode beau gosse, mais faut assurer maintenant. Ok. Ça, on a vu. Faut montrer que le costume, on le porte aussi sur le terrain. C'est ce qu'on va essayer de faire. Bel après-midi, très beau stade. Allez, c'est parti, les gars. Attention, attention. Ouh là là, bien joué, gardien. Super arrêt, heureusement. Attention au décalage. Bien, la défense encore. Allez, quelqu'un dessus. Non, non, putain, on défendait bien. On encaisse malheureusement ce premier but, bêtement. En plus, c'est moi qui perds la balle, j'ai voulu refaire le jeu alors que c'est pas à moi de faire ça parce que personne ne se proposait. J'ai essayé d'aller proposer mon soutien, mais malheureusement j'ai perdu la balle et ça part de moi. Il faut que je me rattrape. Allez, bien joué. Ok, pas mal, pas mal ce qu'on fait, pas mal. Je m'avance bien. Oh non. Oh mais là, bien joué. Putain, j'ai croisé ma frappe, mais elle s'est pas croisée, dommage. Heureusement qu'il y a Stewart poursuivi juste derrière. On va revoir ce but. C'était assez bien construit, ça faisait un petit peu longtemps qu'on gardait la balle et on a su bien gérer notre temps fort. Dommage, mais t'es bien avancé hein, justement pour vraiment pas louper, mais dommage, elle était bien puissante du coup. Le gardien l'a repoussé et ça arrive sur la tête de Stewart qui a juste à finir. Bien joué à lui les gars. Faut continuer. Ils sont assez compliqués niveau défensif à passer, mais on va persister, ça va passer. Allez. Allez, dégage, très loin. Ok. Heureusement c'est la mi-temps. Ça lui revenait dans les pieds. Il avait plus qu'à tirer, mais heureusement qu'il siffle. Pour nous, c'est un match assez compliqué parce qu'ils sont durs à passer, comme je l'ai dit, en défense. Nous nous ont pas tant inquiété que ça en vrai de vrai, mis à part les premières minutes, mais je pense pas qu'ils aient fait énormément de tirs. On va voir ça dans les statistiques. Ouais, voilà, deux tirs de cadré pour les deux. Ils ont quand même, ouais, c'est vrai, ils ont la possession largement, mais ils en font pas grand chose et du coup, ouais, on les prend en contre, même si ça aboutit pas toujours pour nous. C'est dommage, mais c'est pas fini, les gars, il reste 45 minutes. On va aller chercher cette victoire, allez. Attention. Gardien. Ouh là là, la barre encore. Non.
Oh putain, ça lui revient dessus avec la barre. Oh là 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 là. Putain, on va se le prendre à chaque fois dans les premières minutes des périodes. C'est bête, il se retrouve tout seul, il a le temps de lober et du coup ça touche la barre et ça lui revient pile dessus. Faut vraiment se reconcentrer là parce qu'on fait n'importe quoi. Ok, je suis tout seul, j'ai le temps. J'ai le temps, j'attends. Allez, vas-y. Oh là là, dommage, c'était une belle action. Ok, je t'ai vu. Tu m'as revu. Je contrôle. Oh non, il me la contre. Putain. Bien joué. Vas-y. Finis là. Finis là! 82e minute. Super passe décisive. Putain, qu'est-ce qu'on galère, les gars, depuis tout à l'heure. Dans la dernière passe, on fait n'importe quoi. On attend 10 minutes avant de la faire alors qu'elle est évidente. Mais enfin là, je la fais au bon moment, moi. Et je finis très très bien. Heureusement que le gardien il peut pas la prendre celle-là. Il fallait le mettre ce deuxième but. Mais même là, regardez, il prend trop de temps pour tirer. Mais heureusement qu'on marque. Jordan Jones, bien joué à toi. Quatrième but. Il marque des buts importants en plus en ce moment, c'est bien. Faut continuer, on peut peut-être accrocher cette victoire, ça ferait du bien. Allez, tu peux y aller, je t'ai vu mon grand. Finis-le, finis-le. Le troisième but, magnifique, et voilà. Le doublé de Jordan Jones. Incroyable les gars, on a été la chercher celle-là. Enfin, c'est pas fini, mais pour l'instant on est en train d'aller la chercher. Magnifiquement bien, voilà, tout le monde qui célèbre, tout le monde, le staff, les remplaçants, elle est pour eux aussi si on la gagne cette victoire, enfin ce match, c'est pareil, je n'ai même plus parlé. Putain, j'ai bien attendu le dernier moment, à la limite du hors-jeu, et là il finit tranquillement, sans pression. Incroyable, heureusement qu'on le met, les gars, parce que franchement, ce serait bête de le perdre ce match. Même de faire un nul parce qu'on joue vraiment bien, mais c'est juste que cette dernière passe, on sera tout le temps. Et voilà, c'est en fin de temps, ça fait du bien. Allez, je t'ai vu encore. Allez, crucifilet, crucifilet, le quatrième but, le triplé de Jones. Et pour ma part, trois passes D, voire quatre, je sais même pas. En tout cas, le quatrième but, et voilà, là c'est la joie qui explose encore une fois parce que c'est sûr qu'on le gagne ce match. Ah là 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 là, là ils ont tout donné, du coup, ouais, c'était assez facile de les prendre en contre-attaque et c'est ce qu'on a fait. Encore une fois, j'ai bien attendu, on a vu le mauvais alignement de la défense et là la belle finition encore, il n'y a rien à dire pour lui, c'est énorme ce qu'il fait niveau finition. Incroyable, très bel appel, très beau but, Jordan Jones. Ça va être fini, les gars. 4 à 2. Normalement, il va siffler dans même pas 10 secondes. Elle aurait été dure à aller chercher, mais on l'a fait, voilà. Face à Ipswich. Voilà, il peut aller chercher son ballon parce que c'est mérité. Homme du match, je pense. Mais de notre côté aussi, on a fait un très gros match. Ouais, voilà, 4 passes décisives. Caviar man. C'est incroyable, 10 de notes du coup, 100% de réussite quand même au tir, même si on n'en a pas mis, c'est pas grave. Et ouais, du coup, 92% de réussite en passe, c'est vraiment pas mal du tout. J'ai raté seulement 2 passes, 3 passes clés, c'est énorme, très beau match. 4-2 à l'extérieur en plus. On va regarder Peterborough qui ont perdu 2-0 face à, je crois que c'était Fleetwood, mais je suis pas sûr. Du coup, ouais, ça nous conforte pour la seconde et pourquoi pas la première place. J'ai même pas vu le classement. Attendez, on va voir juste après les entraînements où on en est. Toujours pas, ils ont encore joué. Ouais, ils ont encore joué. Et du coup, on reste à 3. Ah non! Ils ont encore joué, pardon, et ils ont fait un match nul ou défaite? Match nul, je pense. Je pense qu'ils ont fait un match nul parce que sinon, on aurait le même nombre de points. Avec la défaite, ouais, logique. Du coup, ils ont fait un match nul, c'est encore mieux pour nous. Et regardez, ils sont plus qu'à 3 points
de Peterborough, pourtant Lincoln et nous 4 points. Du coup, il commence à perdre des points. Faut pas lâcher, les gars, ça va le faire. Je pense pas qu'il reste énormément de rencontres quand même. On va aller voir ça, tiens, d'ailleurs, ça m'intrigue. Calendrier. Il nous reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 matchs, les gars, seulement. Du coup, c'est pas beaucoup. Il en reste un petit peu quand même, on va pas se mentir. On affronte aussi Lincoln et Peterborough qui vont nous jouer la saison, je pense, si on continue sur cette lancée. En tout cas, ça se jouera entre nous trois pour la place du titre, à mon avis. Attention aussi à Hull City, on sait jamais. On sait jamais. En tout cas, on va simuler jusqu'au prochain match face à MK Dons. 5e MK Dons. Ça va être compliqué, je pense. Va pas falloir faire n'importe quoi. Parce que eux, ils jouent pas mal de tableaux. Ils ont l'air de jouer, je pense, la montée. Avec le top 6, ouais. Du coup, il faut qu'on soit plus fort, comme on l'a été. Du coup, comme on voit sur cette information, face à Ipswich, on a été plus fort. Faut être plus fort là aussi face à MK Dons. Allez, c'est parti. Deuxième match de la vidéo. Allez, du coup, deuxième match face à MK Dons. Il joue à 5 défenseurs. Du coup, ça va être compliqué. On va voir ce que ça va donner, les gars. On est parti directement. Pas trop de changements de notre côté. Dommage qu'ils mettent pas direct Jordan Jones avec moi en attaque. Parce que franchement, il est très souvent décisif. Et on forme une belle paire. Mais bon, c'est pas grave, Stewart, ça fera l'affaire, on va voir ce que ça va donner tout de suite. Allez. On a domicile cette fois-ci, et on va leur montrer que chez nous, il n'y a personne qui va venir gagner. Allez, voilà le double contact, qui a un petit peu perturbé l'adversaire. Bien joué, tu me la remets. Oh là là, allez, au bout, putain, j'ai appuyé, je pense, 15 fois sur rond avant qu'il tire, je sais pas ce qu'il y a eu. J'avais pris en première attention en plus, mais c'est pas grave, ça n'a pas marché. En tout cas, ça fait but. On s'est battu pour aller prendre ce tir et qui a fait but au final. On va la revoir parce que franchement, c'était n'importe quoi. Mais voilà, il me l'a remise de la tête, mais là, j'avais tiré d'un coup. Ça l'a pas fait, une fois, deux fois. Et au final, c'est dedans. Heureusement. Là, du pied au final. Oula, et en plus, il a touché n'importe quoi. N'importe quoi ce but. En tout cas, c'est dedans. Il fait du bien pour commencer la rencontre. Oh là là, et le nouveau record de la compétition qui a été battu. 56 buts, les gars. Le meilleur record, hein, du coup, en Ligue 1. Le plus de buts inscrits en Ligue 1, c'est moi par un joueur. 56 buts. Et on va aller le pulvériser ce record parce qu'il reste 11 matchs. Et personne ne le rattrapera, j'espère. On verra ça en tout cas. C'est parti. Non, oh non, putain, je m'attendais même pas. Oh non, 19e minute, égalisation de leur part. Ils ont été très vite sur cette action, je vous dis, j'ai même pas capté. C'est pour ça que je parlais pas. Je pensais qu'on allait la récupérer tranquillement, mais en fait, en 2-3 passes, ils ont niqué tout le monde. Et notamment la défense, dommage, Cameron Jerome, attention à lui. Faut remettre ce but, hein, du coup, pour reprendre l'avantage. Ok. Je la contrôle. Allez. C'est bien fait. Oh là là, dommage, putain. Il m'a pris un petit coup de folie, là. Et du coup, j'ai été au bout de ce coup de folie. Et ça a failli faire but. J'aurais peut-être dû m'avancer un petit peu plus, c'est vrai. Mais c'est pas grave, ça nous offre un petit corner. On ne sait jamais. Ok. Non, dommage. Allez. Je t'ai vu. Tu m'as revu. Je l'enroule. Oh là 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 là. C'est chaud bouillant. On continue. Allez. Oh la belle passe. Putain, dommage. Allez, faut continuer, les gars. Tu peux me la remettre. Je te la remets. Bien joué. Oh la belle action. Dommage. Vas-y, mon grand. Allez, tu me la mets. La fin de frappe. Oh là là. Non.
Oh là là, on était reparti sur la spéciale. Putain, et j'ai loupé, dommage. Oh là 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 là. Ok, c'est bloqué, on revient tranquillement. Bien joué. Bien joué. Hop là. Et voilà, va la chercher celle-là, la spéciale. Mais cette fois, on part de l'intérieur, de la surface, et il a rien compris, le défenseur. On va la revoir. Il me la remet très très bien. La fin de frappe, il partait. Et là, par contre, j'ai pas enroulé. J'ai envoyé une mine. Et ça a troué les filets du gardien. Parfait, les gars. On reprend l'avantage et je suis en feu, j'ai l'impression, dans ce match. Du coup, on va continuer à les brûler défensivement parlant. Du coup, c'est parfait. Allez. Fin de la première période, du coup. Entre nous et MK Dons, on est vraiment très, 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 très bon offensivement parlant. Franchement, je pense qu'on doit surdominer ce match. Ouais, voilà, 7 tirs 4 cadrés quand même, mais c'est surtout au niveau de ce qu'on propose. Ça aboutit pas tout le temps, mais franchement, on fait de très belles choses. Notamment moi, c'est incroyable, je sais pas ce qui me prend, mais je vais continuer sur cette lancée, les gars, et faudrait essayer de se mettre un petit troisième but pour conserver un certain avantage entre nous et eux. Du coup, on va aller le chercher, hein, cet avantage, et faut pas se prendre l'égalisation. Allez, attention. Attention, la frappe. Non, 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 ils dominent pas. C'est leur deuxième tir, deuxième but. Oh, c'est pas mérité. Non, vraiment, là, c'est vraiment pas mérité du tout. On propose du beau jeu, nous. Et eux, en trois passes, ils nous plient le match presque. Deuxième but déjà, putain. Faut se remettre dedans, allez, allez. Attention, non, mais les gars. Trois tirs, trois cadrés, trois buts. C'est n'importe quoi. Il s'est fait manger le défenseur. Il a joué avec son corps l'attaquant et le défenseur qu'il regarde, il tourne autour de lui. On va revoir ça parce que franchement, c'est. Regardez ça, il s'est fait entraîner. Et du coup, il se retrouve seul et il allume le gardien. Putain, 3-2 au final. On devait gagner ce match tranquillement vu la première période, mais on se fait bouger. Non, oh putain, je veux le gardien. Attention, ouais, mais putain. Ah, mais on fait n'importe quoi, mais on fait n'importe quoi. Jamais on doit le perdre, jamais on doit perdre ce match. Jamais. Putain. N'importe quoi en fait. Voilà, but de merde qu'on se prend sur corner, tout le monde les regarde. N'importe quoi. Et voilà. On perd ce match. Très 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 bête de perdre ce match face au cinquième. Surtout vu le jeu qu'on proposait les gars en première période, je suis vraiment déçu de l'équipe et même de moi-même. Attention, hein, c'est pas que l'équipe, c'est aussi moi, mais défensivement là on a été pourri, pourri. C'est vraiment bête, hein. Je vais voir quand même un petit peu les statistiques du match, mais à mon avis, ouais, voilà, 5 tirs, 5 cadrés, 4 buts, et nous 5 cadrés, 2 buts. Pourquoi nous on n'en met pas 5? C'est ça la question. C'est vraiment une question à se poser parce que c'est bête. Hein. Peterborough en plus qu'ils ont encore perdu 2-0 face à Hull City, j'ai vu. Mais ouais, franchement dommage. Hein. Est-ce qu'ils ont fait. Ouais, je crois qu'ils ont encore fait un match nul, Lincoln, parce qu'ils sont qu'à 2 points de nous. Du coup, ouais, je pense qu'ils ont fait un match nul. Peterborough qu'ils ont perdu, on a vu. Mais ils ont dû aussi gagner un match parce que ils sont à 37. 37 journées, nous on est 46, ouais, du coup ils ont joué deux matchs et nous qu'un seul. Bon, on va faire ce dernier match de cette vidéo face à Playmouse, les gars. On va juste voir 24ème, je crois que c'est le tout dernier. Ouais, mais là, si on perd là, les gars, faut arrêter. Il vaut mieux arrêter si on perd là. J'espère vraiment qu'on va gagner ce match et que ça va nous remettre sur pied, on va dire. On verra. Allez, c'est parti. Pour ce dernier match de la vidéo, il joue à 5 défenseurs et aussi tu m'étonnes, ils sont derniers. Du coup,
Vaut mieux défendre contre les gros. Du coup, on va voir ça. C'est parti. On joue à l'extérieur, il me semble. Ouais, à l'extérieur pour ce dernier match, face au dernier. Faut montrer qu'on n'est pas là pour rien. Ok, pas mal. Très belle action. Et pourquoi on se retournera? Bien joué. Oh là là. Oh, l'insolence. L'insolence. Désolé les gars, même si c'est les derniers. Ça fait du bien de retrouver un peu l'insolence qu'on avait en ce début de carrière. Dans ce match, face au dernier. On va le revoir. Ça m'avait embêté parce que franchement, il avait raté une passe où j'étais seul. Enfin, il ne l'avait pas mise. Au final, il l'avait mise à lui. Je l'ai quand même redemandé. La fin de frappe, le gardien qui s'est jeté. Et là, la belle insolence. Hop. Ouh là 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 là. Désolé. Allez, faut continuer, les gars. Montrer qu'on marque pas pour rien. Magnifique. Attention. Oh non, ben voilà. On entre dans l'histoire, mais on va aussi entrer dans l'histoire. Les troisièmes du championnat qui se font bouger par les derniers du championnat. Franchement, je pense pas que ça arrivait souvent. Mais là, franchement, c'est n'importe quoi. N'importe quoi ce qu'on fait. Défensivement, c'est n'importe quoi. C'est abusé. Je l'attends d'ici. Oh non. Attention, non, non, non les gars, mais non, mais non, mais non, mais non, mais pas contre les derniers, ça, pas contre les derniers. On va pas perdre contre les derniers quand même, faut se respecter. Faut se respecter, là, il y a même plus de respect pour l'adversaire, faut... C'est notre respect à nous les gars quand même. Comment tu veux jouer la montée si tu te fais bouger contre les derniers du championnat? Explique-moi. Explique-moi. Putain, je suis tout seul. Allez. Allez. Je la croise. Putain, allez. Franchement, là, c'est même plus drôle. Heureusement qu'on marque, hein, les gars. Faut arrêter. Hein, contre les derniers, ils sont en train de se faire démolir. Ils ont la possession. Je pense qu'ils ont aussi le nombre de tirs. J'ai hâte de voir les stats parce que, franchement, c'est n'importe quoi. Heureusement qu'on égalise, mais bon, c'est pas foufou hein, ce qu'on propose. Aujourd'hui, c'est vraiment pas fou. Je crois ce tir et ça payé, mais ouais, là, faut vraiment marquer et gagner ce match quand même. Attention. Oh, dommage, on avait peut-être une contre-attaque, mais bon. Allez, voyons ces stats un petit peu, ce qu'elles disent, parce que franchement, c'est honteux. Les stats du coup, 3 tirs, 3 cadrés de but, et voilà, ils ont la possession, les tirs, c'est n'importe quoi. Faut mettre un petit réveil, hein, les gars, parce que là, ouais, c'est dingue de faire match nul. Non, franchement, on mérite de se le prendre, vu comment on joue, on mérite. Allez, je le tente. Oh, dommage. Regardez qu'on va se le prendre. On va se le prendre, mais on va se le prendre. Oh les gars, faut arrêter, faut arrêter. C'est n'importe quoi. C'est un prank, mais ça doit être un prank. De se faire bouger, mais on se fait bouger. Bouger. C'est incroyable. C'est inadmissible. C'est... un truc de fou, c'est un truc de fou. Tout seul, regardez les milieux, il marche. Il est tout seul, il marche. Il le voit quand même tout seul. Marcher, hein, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? On descendra en ligue tout, hein, si jamais. L'organisation, c'est incroyable. Incroyable de perdre contre les derniers, c'est incroyable. Il vaut mieux s'arrêter là parce que franchement... c'est de la grosse merde. Si c'est pas moi qui fais 15 éclairs de génie dans le match, on le perd. C'est vraiment trop gof. Vraiment trop gof. Voilà, on va voir les stats. Les derniers hein, du championnat, j'appelle 57% de possession. 6 tirs cadrés, 3 buts. Ils se mettent un but sur 2.
Et nous, on n'arrive même pas à faire 5 tirs contre les derniers. Du coup, niveau classement, on est toujours 3ème, hein, cette 3ème place, à 3 points de Lincoln. Je crois qu'ils ont encore fait un match nul. Et cette fois, on a 2 journées de retard avec eux. Du coup, ça va pas se jouer maintenant entre eux et nous, mais on est quand même à 4, 5, 7 points quand même des premiers. Du coup, ça va être compliqué. En plus, on les affronte dans la prochaine vidéo. Là, vraiment, ça va être un vrai test pour nous. Est-ce qu'on est vraiment fait pour monter? D'abord, on affrontera Wimbledon à domicile. Ensuite, du coup, ouais, face au premier, Peterborough, chez eux en plus. Du coup, j'ai hâte de voir ça, combien on va s'en prendre là-bas si on joue comme ça. Et enfin, on recevra Oxford à la maison. Mais bon, ça a été une vidéo très compliquée. Et pourtant, on partait très très bien au premier match. Mais malheureusement, ça s'est pas passé comme prévu. Pourtant, on proposait un petit peu du beau jeu dans un premier temps, mais après, on a lâché et tout nous est retombé dessus, j'ai envie de dire. C'est dommage. Là, on va affronter les 17e dans le premier match de la prochaine vidéo. Du coup, je vous laisse vous abonner, les gars, partager, mettre la cloche pour être au courant des prochains épisodes. Et ouais, surtout, ouais, abonnez-vous pour qu'on puisse être un peu plus sur la chaîne et que cette carrière puisse être vue par plus de monde et toucher une plus grande communauté. Et ouais, surtout le like, les gars, pour le référencement. Et surtout, les gars, je vous souhaite de passer une bonne journée. Et moi, je vous dis à la prochaine.